Deschamps est dans ce patrimonio à la faveur de la visite de Christine Grouin, directrice du développement culturel du musée du Quai Branly Jacques Chirac et du coordonnateur de la route des chefferies à Bonanja Sigambonjo dans le littoral. La visite s'inscrit dans la continuité de la préparation de l'exposition baptisée « Sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible » prévue en 2022 à Paris. C'est une parade des civilisations que nous envisageons sur la Seine. On va essayer de transposer sur la Seine à Paris. Les visiteurs de Sa Majesté Narcisse Mwele Kombi effectuent la visite du musée de l'eau, consacré à l'environnement, l'art et l'universalité sociale chez les Sawa. L'institution, dans toute sa splendeur, présente des artefacts, des cartes culturelles du Cameroun. Je suis très heureuse de voir l'accueil et la générosité. J'espère que le travail qu'on a fait chemin faisant d'échange, de partage de savoir-faire va pouvoir donner des fruits ici pour que les équipes puissent poursuivre ce travail de diffusion patrimoniale. Christine Grouin reçoit ensuite un diplôme d'honneur qui fait d'elle la marraine du musée de l'eau à Bonanja Sigambonjo. Sous l'onction du bois sacré le baoba, une potion est aspergée pour la bénédiction de la directrice du développement culturel du musée du Quai Branly.